Okay guys, check out my first two videos there. On the first one, I talk about my experiences, my influences in Italy, up to when I moved to England and my experience there at university. And the second one, I talk about my experience in Dublin, about multiculturalism in general. So I'll leave it over there. Depois do espanhol e o português, empezava também a aprender o francês. J'ai commencé parce que j'ai rencontré une femme que pour moi c'est une personne tellement importante et voilà, je l'ai rencontrée en Dublin. Elle est française de Strasbourg, mais son père il est italien, donc il est italien. Donc voilà, elle m'a commencé à dire Lorenzo, toi que moi je vais apprendre l'italien et toi les français, mais c'est vrai que quand elle a commencé à parler italien, elle était tellement, c'était incroyable son niveau d'italien. Et moi, français, mon niveau c'était bonjour, comment ça va, c'était tout là. Donc voilà, avec elle, j'habitais avec elle pour un an. Durant le bon temps que j'ai travaillé pour la dernière société de Dublin. Et voilà, j'ai commencé avec Duolingo aussi, à pratiquer avec elle et aussi à faire du language exchange. Et donc voilà, j'ai appris aussi le français. Et le français c'est un petit plus important parce que en fait, la dernière société que j'ai travaillé avec Dublin, c'était un multinationnel. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec sa société. I got really organized. I learned so much about administration, about collecting money. Guys, I'm not scared of calling anyone anymore to say anything after that. Like, I had so many experiences, like crazy experiences thanks to the job I had. And then I got so much more confidence, which is great as well. And plus, I got really much more organized. Like, really much more. After 1 year of being in Dublin and making all these experiences, I decided to change again. Because I was, you know, going back into a routine again of, you know, waking up, working, going to the gym, dinner, sleeping. That was my routine after five, six months. And so I was starting to plan to move somewhere else and do something else. So I decided to move to Paris because I thought, well, c'est un grand ville. En fait, après de Londres, je pense que, oui, c'est Londres et Paris qui sont les villes plus grandes en Europe. Donc je pense Berlin aussi. Mais voilà, je parle pas l'allemand, donc je me suis dit, je vais parler. Mais voilà, je me suis dit, ok, je vais essayer à contacter le manager de la même société que j'ai travaillé avec en Paris pour voir s'il a besoin de quelqu'un de travailler avec lui. Et donc, je l'ai contacté, j'ai accepté, et donc, j'ai bougé à Paris. Et j'ai resté là pour 5 mois. C'était une très bonne expérience aussi. Et mon français s'est amélioré beaucoup. C'est vrai que mon accent c'est terrible, donc je suis désolé avec mon accent très italien, mais voilà. C'est aussi vrai que quand je suis arrivé, c'était un petit comme l'anglais, j'ai compris pas vraiment beaucoup, tout, et voilà. Mais à le travail, j'ai travaillé tous les jours en français, donc c'était parfait pour ça. Les problèmes, c'était qu'en fait, les travails, c'était les mêmes. Donc, après quelques mois, j'ai pensé, ok, ou je vais essayer de trouver quelque autre travail et d'apprendre plus de choses, ou sinon, je sais pas. En fait, c'était comme ça. Après, que j'avais eu d'autres travails, mais c'était pas vraiment les choses que j'aimais vraiment faire. Après que j'ai vérifié ça, j'ai retourné en Italie pour quelques jours. Et mon propriétaire, il m'a dit qu'il veut vendre la maison. Il a... Comment dire? Le verbe français. Voilà. Il veut vendre la maison où j'habitais, où j'étais. Et donc, moi, il a dit ça à moi, mon colocataire. J'ai pensé qu'en fait, le travail là, c'était pas vraiment la chose que j'aimais vraiment, vraiment faire. Parce qu'en fait, j'ai continué pour ces derniers 3 ans. À faire de la musique, à écrire. Mais c'est vrai
que quand tu travailles de full time, tu n'as pas vraiment le temps pour faire vraiment ton projet, pour travailler vraiment sur ton projet. Donc aussi, j'ai commencé à pas vraiment dormir de nuit et je me suis dit, ok, voilà, mon propriétaire m'a dit ça, moi, je retourne en Italie. Après, c'est vrai que les propriétaires, ne peuvent pas vraiment faire ça avec les compas. Je pense que je vais faire une vidéo sur l'écolocation en général parce que c'est tellement terrible la situation de l'écolocation de la grande ville. C'est terrible. Terrible. Donc j'espère que je vais faire une vidéo pour aider vous si quelqu'un de vous voulez essayer à aller dans une autre ville en Europe. Mais voilà, donc je me suis dit, ok, je retourne à Rome, j'ai une salle de Rome. Donc, j'ai une salle de Rome. J'ai une salle de Rome. Et donc, eccomi qua. Et la mia passione è rimasta quella, quello di potermi collegare con un pubblico grande. E quindi spero che a partire da oggi sarà veramente una grande avventura. E sono sicuro che sarà una grande avventura. Da quello che penso possiate capire, sono una persona abbastanza multiculturale. Ho fatto molte esperienze e l'obiettivo per ora per me è cercare di costruire un business. So I will be able to work on these projects and my aim at this moment is to make music videos, writings and publish them as much as I can. So that hopefully you guys, some of you guys would really appreciate that and then being able to convert to Lolo. being able to convince you that I'm good enough so that you'd be willing to support me and you would really feel and love to do that. So my plan for the moment is that I will publish as much as I can on the free channels, so on YouTube for videos, on Instagram for pictures. Even though I'm not really a photographer, I have many pictures and I do believe I will still continue using Instagram as it is a very good social networking platform. And then I will use the SoundCloud at the moment for music. I would love to switch to Spotify, Apple Music, etc. But that's gonna happen when I start making some revenue out of the things I do, obviously, because it's not, you can't just publish on Spotify for free. You need a publisher. So this is the plan for the moment. And while I do this, hopefully some of you guys, and feel free to do it from now, you can start supporting me on a website called Patreon, which is an amazing idea. Patreon allows artists like me to gain a monthly revenue out of the work that we do. So it's very important, as I'm not going to allow for the moment to have commercials on my videos, as I will make a proper video about that, because there's much to talk about and this is a thoughtful decision. It's not something I decided like that. So the only revenue I will be able to make is for you guys. And the Patreon community in general, I think, is a wonderful community. So in general, I'm not just talking about me. If you really follow a YouTuber or an artist in general, have a look if they have a Patreon page, because this website allows, it's so important for us artists, guys, it's so important for us, as we are not really fully independent. But through this project, through this dream of the guys working at Patreon, hopefully we will be able to make it happen. So I'm really happy to start being part of that community. So guys, I'm going to wrap up this video. I think I went over the 10 minutes there, and I will see you next for the next project and video. See ya!